Hop. Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait un arc de Cthulhu. C'est pour aller sur un Xelor OR dommage critique PVM. Et là, le concept, ça va être de faire un exo dommage distance avec l'arme de chasse et la prospection, puisque c'est pour du PVM. Et encore une fois, comme c'est du PVM, je suis un peu moins exigeant que sur mes GPVP, donc pour accepter qu'il manque un tout petit peu de vita et de sagesse. D'esquive PA éventuellement aussi, on pourra ne pas aller chercher forcément le perf sur toutes les lignes. Mais je veux quand même le perf sur les lignes offensives. Alors ça tombe bien, on a les 50 de stats, on va pouvoir monter assez facilement à 60. Je dis facilement, mais on est sur plus PO, on n'a pas tant de plus que ça. Et j'avais un bon jet, mais là vous voyez, j'ai eu deux échecs critiques sur le critique juste avant de faire tomber. Donc c'est un peu chaud. On a moins 6, allez, la vita, moins 10, il faut vraiment passer les grosses runes. Pas enfin, moins 40, hein. GG à tous. Ça va être compliqué. Ok, après je dis ça. Je dois avoir un tout petit peu de puits en rap du coup. Est-ce qu'on n'accepterait pas de jouer avec ça? Le moins 1 PP fait bader quand même. Ok, on perd 1% raise, on perd un dommage. Ok, là c'est la sauce. J'aurais passé l'arme de chasse, ça serait peut-être parti en petite rune trans, hein, je vous cacherai pas. Là, l'idée, c'est de refoncer sur les stuffs, donc c'est pas du GPVM. C'est pas du GPVP. C'est pas grave, on continue. 44 de puits, ok, là, on est pas mal du tout. Alors, typiquement, là, la vita, je suis à moins 6 vita. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pas accepté en PVP. En PVP, j'aurais dû over vita à la ravie et enlever l'over, ce qui aurait bouffé tout le puits. En PVM, je vais accepter un moins 6 vita sans que ça me traumatise. Donc, ça simplifie quand même beaucoup la vie. Hein. On a des gros jets déjà sur toutes les lignes à gérer, il y a juste la rage à passer. Moins 20. Et pour le reste, ça devrait pas trop mal se passer, je pense. Ok, on passe la rachat. On a 16 restants. La question, c'est je me garde combien de tenta armes de chasse? Est-ce que je fais le mec et je garde une tenta? Ou est-ce que je garde deux tentas? Ou trois tentas? Ça, c'est une question qu'il va falloir que je me pose et qui sera pareil pour toutes les armes que je vais refaire derrière. Là, si je mets une passa. Ah, le chat me dit full tenta en stack, mais. Alors, on va faire le beau jeu quand même, une petite passa, je pense. Ah, j'ai cliqué. J'ai cassé l'interface. Je clique, je vous promets, je clique là. Même le jeu, il a bugué. C'est pas une blague. J'espère que je me suis pas trompé dans le puits, mais je pense pas. Du coup, j'ai dit pas ça. Ok, moins 9, il me reste 7. J'ai 2 en rab, on peut faire 2 tentes à vie. Une tente à chasse. Allez, faut que ça passe. J'en ai jamais douté une seconde. Imaginez, il y en a dans le chat, ils auraient eu 42 de sagesse avec leur technique là. De garder des tentes à, mais qui fait ça quoi? Bah, un PO là-dessus et on est bon. On n'a pas le PO. 42 depuis. L'attentat peut donner un truc sympa si la vita passe assez vite. Je vais accepter du moins 10 en vita. Donc là on a moins 14, c'est trop. Il me faut pas vivre à vie. Ok, ça passe. Moins 13, c'est cool. On va double pas-âge. Moins 9. Faudrait que ça passe assez bien. Ouais, là on a moins 20, on a plus de puits. Dommage. On continue. Très beau puits PO ici. La vita est tout bien pour qu'on n'ait pas besoin de l'over. Alors moins 20 quand même. Finalement ça me coûte plus cher que tout à l'heure. Yes. Alors bon, mes lignes en bas sont bien montées. Ça fait vraiment plaisir. Il nous faut l'arracha. Ok, ça passe. On devrait s'en sortir avec de la tente à chasse si la J-troll pas trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, c'est abusé. Bah oui. 42 de puits. Bon, là, ça ressemble pas à grand chose. On verra si on peut en tirer quelque chose. J'attends pas grand chose de cette tenta. Ah bah, c'est bien. Oh, le nombre de tentas pour monter juste la vie. Un peu aberrant tout ça. Allez, on se démoralise pas, on continue. 47 de puits. Bon, ça fait un moment que le PO veut pas sauter là. J'ai un peu balancé une ravie random. Ça casse là-dessus. Il faut en passer une deuxième là. En espérant que ça troll pas trop. Voilà. Bah next. Hein. 50 de puits, ça peut donner un truc sympa. Il nous faudrait la petite ravie. Moins 10. Il faut pas âge, ra âge. Ok, dommage.
partir du moment où il y a une des grosses runes là qui passe pas, l'attentat est morte. Alors casser le PO à la paille esquive PA, c'est pas forcément le meilleur plan. À moins qu'on ait du full crit jusqu'à la fin du monde là, j'y crois pas trop. On va y aller comme un sac. Ok. Mais en vrai, il manquait pas grand-chose, hein. Il manquait pas grand-chose. Oh, le PO. Si on peut recasser le PO assez vite, ça pourrait donner quelque chose de sympa. 46 de puits là-dessus, malheureusement, ça casse sur un échec critique ravi. On perd déjà beaucoup de puits. Là, il y en a deux à passer, il nous faudrait un peu de réussite. Ok, pas mal, moins 10. Là, ça peut faire un truc. Il faudrait la rage qui passe. Ah, c'est mort. Ah, c'est mort. Ça va être compliqué maintenant. Allez, full pacha. J'ai eu moins 4, encore 2. Moins 12. Ah bah, plus de puits. Pas de PO. Ok, là, c'est une très belle tenta. On est excellent, là, en termes de congruence et compagnie. Faut juste mettre une pacha. C'est la seule rune pénible à mettre. Voilà, moins 12. Et là, on va même pouvoir soigner le reste. Il reste 30. On va go. Pas ça, déjà. Oh! Il me reste 14. C'est une dinguerie le G là. Allez, il faudrait esquive PA. Nice. Il reste 7. Est-ce que je peux faire quelque chose des deux que j'ai en rab? Franchement, pas tellement. Pas tellement. On peut tenter un crit faux. Et si on a un crit faux, on peut tenter une rune sagesse. Ok, donc arme de chasse maintenant. Allez, faut vraiment qu'elle passe. Dommage. On n'a pas le PO. Dommage, elle était magnifique. C'était du moins 3 vita, moins 2 sagesse sur cet item. C'était une dinguerie. 47 depuis. La petite ravie. Ok, moins 10. L'arracha. C'est dur. Hein. Bon, c'est mort. Dommage, à moins qu'on ait un petit crit sur la rage. Non. On continue. 50 depuis. Ok, faut passer la ravie. Moins 20. Ok. Pas mal de choses à remonter à côté là. Sur les raids, on a le moins 4. On va mettre la rage maintenant. Ok, le crit, mais très très bien là, il en avait besoin. Il reste 26. On va bourrer les pachas. Je me demande des fois si je devrais pas rachat avec un mini over hein, quand je suis à 51. Bon, ça se discute. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, moins 24 là-dessus, c'est terrible. Bah, il reste 2. Hein. Dommage, pas de PO. 46 depuis. Ok, là on n'est pas trop mal. Faut juste passer les petites stats là. Sans que ce soit trop pénible. Ok, ça va, on a moins 15. Moins 15 pour passer 3 runes à plus 3, c'est souvent plus que ce qu'il m'en faut pour en passer une. Le petit DOR qui crit, double repair, moins 12. On est bien là, 19. 19, c'est une passa. Les deux tentes à chasse. Oh, c'est truste. C'est dur ça par contre. Troisième, non. C'est terrible la chasse, double tentat qui passe pas. Bon, bah on continue. 50,4 depuis. Ok, il faut passer la petite ravie. Moins 20, dommage, j'aurais fallu qu'elle passe direct. Le moins 5 qui fait plaisir. Là, ça va être complexe, là. L'appât. Je pense qu'à chaque fois, quand je suis à 51, ça bouffe trop de monter à 61, là, à l'appât. Parce que ça minimise la variance. Il vaut mieux que j'ai un peu plus de variance avec une rat, et que dans les moments où ça passe bien, bah, j'ai une tenta. Là, ça fait trop de fois que je me bouffe beaucoup trop de puits à l'appât, donc là, on a le moins 3. Et là, il me faudrait une rat maintenant. Ouais, limite, là, même là, j'ai eu un échec, ça me prend 20, tout à l'heure, ça m'a bouffé 24. Ça reste peut-être négociable, on va voir. Avec la pacha, si elle passe, 1, 2, 3, ok, c'est mort. Next. 48 depuis, l'attentat est prometteuse, hein. Le G est très haut, il faudrait que la ravie passe assez vite. Nice. Je pense que je vais y aller à la runini. Ok, le moins 6, ça régale. Et c'est là qu'il faut passer des rats. Alors là, ok, nice, la première est passée, moins 9.
On enlève l'over. Allez, il faut passer la rage et on est bon. Une tenta. Deux. Ok, en vrai. En vrai, ça le fait. Hein. Là, du coup, j'ai 9. Ça me fait 11 avec la res. La question, c'est est-ce que je garde une ou deux tentas? Le problème, c'est que là, si je mets une rune prosp, il va me rester 8 derrière et j'ai pas grand chose à faire des 3 en rab. Je pourrais faire une tenta sagesse, mais ça part un peu dans le vent. Je pense que, en fait, c'est selon les congruences, je garde une ou deux tentas, mais là, je vais en garder deux, je pense. Une, ok. Ça, c'est le théorème de la rune chasse, et quand tu prends plus d'une tenta, ça passe premier coup. Bon, bah, du coup, j'ai 5 de puits en. Enfin, j'ai 6 de puits en rab, là, mais je peux rien en faire. Ok, bon, est-ce qu'on a le PO là-dessus? C'est quand même correct comme j'ai, c'est pas incroyable, mais ça m'ira. On n'a pas le PO. 45,2 de puits. Alors, il va nous falloir. Double pavis. Et ravi. Bah, plus de puits, hein. Je pense qu'on peut arrêter de compter là, à mon avis, c'est finito, comme on dit. Voilà, puits suivant. 48 de puits. On va go ravi. Ok, moins 10. Allez, faut passer, c'est comme d'hab, ça se joue sur la racha et la rainée. Enfin, la ra agit. Moins 20, ça pique, faudrait un crit. Et non. Pas de PO. 42 de puits. Allez, faut passer la ravie. Nice. La racha. Ok, on a passé les pierres runes. Moins 20. Normalement, à partir de là, ça va à peu près. La petite page. Moins 1, moins 4. Il faut que la rage passe, là. Ok, moins 10. En vrai, on n'est pas si large. Reste 8. Bah, j'ai une tenta sagesse. Non, une tenta prosp. Et la petite rune chasse. Oh, c'est dommage. C'est tellement dommage. Pas de PO. On continue. 49 de puits. Il nous faut double pavis. La ravie. Bon. Comment dire que là, ça va être compliqué maintenant. À part avec du giga crit, genre comme ça. Et comme ça, peut-être. Non. Ça passe pas. 47,8 de puits. La pavie, la ravie, moins 13. Ok, il faut passer la racha. Dommage. On continue. 42 de puits. La petite ravie. Oh, le crit qui fait plaisir. Ok, là, il y a un potentiel. On va mettre la rage, parce que j'en ai marre de me faire bourrer à chaque fois à la page. Et bah, hey, let's go. Double crit. Alors là... Bon, cela dit, le jet de base est très très bas avec la sagesse. Mais quand même, ça fait plaisir. On va mettre la répertaire. Moins 4. La racha, moins 10. Répertaire, moins 6. On a 22. On peut go sagesse. Il nous reste 13. Je peux mettre une esquive PA. Encore une. Ok, nice. Et du coup, il reste 6, on a une tenta. Arme de chasse. Est-ce qu'on a l'arme de chasse? On a l'arme de chasse. Ok, elle est belle. Est-ce qu'on a le PO là-dessus? On a le PO. Ben, c'est bien ça. Bon, dommage. Alors, c'est chouette qu'on ait les 15 esquives PA, mais il nous manque 14 de sagesse. C'est énorme. Par rapport à plein d'autres tentas que j'ai eu. Encore une fois, c'est pour du PVM. C'est pour avancer sur les modes. Ça m'ira temporairement en attendant de choper un meilleur G. En tout cas, on a les stats offensives à fond et on a les prospections, on a toutes les raises. Voilà, j'estime qu'on peut, pour du PVM, pour avancer vite sur des contenus, accepter ce genre de choses. On va donc mettre une rune trans de match distance là-dessus. Hop. Et voilà. Et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo Forge Magie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonus, passage d'une rune transcendance dommage au sort sur une ceinture possédée où on a négligé 3 lignes dont j'ai pas besoin pour aller sur un sacrilleur RPVP. Et sinon, le reste du G a été plutôt soigné. Ça fait plaisir.
Alors je dis pas magnifique, mais je suis content, ça va me servir dans les modes.